Kuna moto hapa kwa DJ Majema, kuna taa kwa soda. Il n'y a personne vraiment. C'est grave. Kuna moto hapa kwa DJ Majema, kuna taa kwa soda. Il n'y a personne vraiment. C'est grave. Kuna moto hapa kwa DJ Majema, kuna taa kwa soda. Il n'y a personne vraiment. C'est grave. Kuna moto hapa kwa DJ Majema, kuna taa kwa soda. Il n'y a personne vraiment. C'est grave. Bonjour. Mambuka Sambolongo, zali moko ya analyste politique ya République démocratique du Congo. Zali moko o pesa ba yimboka ba actualité o ezo ko se passé na kati ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder le to kolobela de cet ali message chef de l'État o s'adresse ki mokolo ya lobby na nation, pe to kolobela de cet ali conseil de sécurité o ba uti ko boya kolongola embargo contre la RDC. Peut-être que le message à Moscatoum ou à Sikoui, c'est que la population va boycotter vote électronique. Vous allez me placer à Koyimbo, le Baïmoka. Qu'est-ce qui se passe dans la carte de la société Oyo, tout le monde est Mokolo et à l'île Mamboka. Sans plus tarder, bonne santé. Oui, tout ça, malamou, toujours dans mon PPA indépendance, où tu utilises ce qu'on célèbre une fois de plus. Bon, moi, cette fois-ci, tu célébrais en gros dans. Élément d'ajout est très important parce que au moins Patrice Emery Lumumba quoi figure principale et indépendance autour de qui azali qui n'a ses cultures le lot grâce à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozali na sépulture pour na Lumumba Patrice Emery Lumumba au moins un lieu de référence pour que son âme repose en paix. Tout PCP va obsèque digne d'un premier ministre de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mon amour. Obsèque digne, mais tu vas dans 5e actualité de la situation de Bounaganda, où tu vas être impatient, et tu vas être impatient. Obsèque digne, mon amour, Patrice Emery Lumumba, où tu vas être impatient, où tu vas dépasser mon soleil, belé, pour que tu vas être juste un relique, caramel, mort, ou PKK, où tu vas confirmer que tu vas être impatient, que tu vas dépasser belé, pour que tu aies un relique, mon amour. C'est mon amour, sans bon. Bon, naza contre bateau, baza koye bate portée symbolique. Il y a acte oyo président de la République Félix Tshisekedi aouti kosala. Les rôles d'un père de la nation, moutou oyo azali président de la République, rôle naye mounene ezalaka pe ya ko jouer rôle ya père de la nation. Nakanisi président de la République Félix Tshisekedi na démarche où il a sali pour que relique ya Lumumba ezonga, il nous a réconcilié avec le passé. Il a fait également que page yasika ya mboka na biso et komama na biso moko ba imboka. Ça dit c'est une autre page de notre histoire qui est écrite mais par nous-mêmes congolais parce que zali reconstruction historique. Il y a histoire, il y a beaucoup d'abisso. Na kanti yemoko Patrice Emery Lumumba, l'obagi amo l'histoire de l'Afrique, c'est là sera celle qui sera écrite par les Africains eux-mêmes et ko mama na ba africain.
président de la République a été à Koutanina pour le roi de Belgique. Le roi de Belgique est allé pour la première fois que le président Yambo Kanabiso au Koutanina, le roi de Belgique. Le président Mobutu l'a fait, le président Koubanda, le président Kassavubu. Parce qu'il y a tous les présidents, attends, c'est l'intérêt de Joseph Kabila. Absolument. Mais la relation wana tendue avec la Belgique est tikalakaka. Et nous n'avons jamais jusqu'à aujourd'hui eu une conclusion ou bien moi voie de sortie moko ko présent et ko permettre biso que tous ala na ba relation moko de paix de fraternité na royaume ya Belgique. Aujourd'hui grâce au président Félix Tshisekedi, grâce na esprit na ye ya réconciliation, grâce à symbole ya zomi mingi ya kolinga ko zongisa Congo na scène internationale, a sali que tozongi la muke na makambo wana pour na retrouver voie nito ko kende tango abandi ko tali sango lobi que passé to ko bandate ko lobelaka passé to ko ta passé sans toutefois ko tala ndenge nito ko sala poto ke dans l'avenir yango afungoli na nouvoie o ya liboso e ezali porte ya biso ko mekana nou koyokana ko solola na Belgique koyokana te me ko solola na Belgique po to banda ko réparer passé o ezali na mikakatano ebele passé o ezali na ba tristesse passé o ezali na ba amertume passé o ezali na ba atrocité ebele oyo royaume Belgique a sala na Congo. Mais entre les états il y a toujours un moyen oyo ba représentant d'une nation ba trouvaka pour s'entendre afin de conclure ma traité de paix ndenge to monaka et ça le maka à travers le monde. Alors nous na cadre ezali contexte na biso na Belgique na kanisi voir au président de la République a sali déjà et ouvrir porte Belgique a zana nyongo munene mais ko kende ko banda ko bunda na kaka po to revendiquer plus ces un peu comme ndenge sale maka na États-Unis d'Amérique les noirs qui sont nos frères au bazala qui déportés na makambo esclavagisme na traite des noirs. Si les lobes revendiquent que bar réparer préjudice na bango et ça les mate. Mais il y a une façon où ils allient beaucoup plus important. Il y a qu'au résoudre Makamboana, c'est de trouver intérêt d'entente parce que tu as ressuscité ba mort on a bisoté, nous allons les garder en mémoire. Mais comment faire pour qu'il y ait un climat de réconciliation et de paix durable? Et je pense que dans le contexte où on a ba concession ils allent à kak. Ndé yango président de la République à Salaki. À la question ya Linu au lobby. Ba to bazomona ngo simple Linu. Mais pour nous, ça nous met un peu en paix na esprit ya Lumumba. Oyo azali père parmi ba père fondateur ya tana biso, o azali figure marquante ya indépendance ndenge to zolo belango. Ezali Linu kaka ya pamba te ezali parti ya nzoto na ye. Bato ba bomi eso ki ba pesi biso Linu wana ba lobi ke za ye ndenge to mona ka wana ba documentaire, c'est lui qui était parti avec cette dent là ye wana nde mutalobai ke za Linu ya Lumumba. Et via Linu oyo aujourd'hui biso tozali ko honorer Patrice Emery Lumumba na ba honneur oyo azali ko mériter aujourd'hui soko ke un espace wana na kanti bozaki wana bozu binili ko découvrir que Patrice Emery Lumumba aujourd'hui azali na espace un endroit où même ceux qui ba paya baye ils a vraiment digne mausolée ezali cercueil ezali et son esprit maintenant peut être tranquille vu ndenge procédure wana salami. Partout il y a toujours des critiques, partout ba to ba contester kaka, mais ce qui se passe au Congo ba to ba za ko contester sans koyeba esprit ya mutu oyo amemi makambo na niveau oyo ba yebite. Parce que aujourd'hui nous parlons de Lumumba, mais na kanti lobita ba koyoka suke bembe ya Mobutu ezongi na mboko oyo e kozala lisusu makelele lisusu ba to ba ko banda lisusu e Mobutu e dictateur ba o musu ba za ko loba na yeke Mobutu tozalaka bien. Mais mon colo barozo se bemba le ya Mobutu ba yena ngo lisusu wa balobi ke non, c'est un fils du pays, il a dirigé le pays pendant 32 ans. Tozo devoir yé sépulture malgré kazaki dictateur, mais cela ne nous empêche pas ya couper sa yebo sec din ko tia epe ne sika moko parce qu'azali parti à histoire na biso. Mon amboka sénateur Mobutu est parti à histoire na biso, mon amboka ba libro et lobi dali c'est que ça dit c'est réuni moro
comment dirais-je, il y a propagande, propagande pour éviter qu'un échec na mandat na eux ont voulu qu'on dise ça la marque moi histoire y a qu'on ramène l'inou y a le monde bateau de bengi relique y a le monde maman en boca non bateau peut-être bah le bakezali propagande bon on a évité la vraie propagande nous l'avons avance na le biboy propagande y a solo tout mon ami en haut y a propagande vraiment tout mon ami ils ont même na cadre la campagne électorale tout mon ami en haut na manipulation Joseph Kabila na ba Jean-Marie Kasamba. Joseph Kabila ne faisait presque rien dans le Congo profond mais Jean-Marie Kasamba a même fait quitter des gens au Bazola qui na ba village pour baya ko se retrouver na ville à Kinshasa les lots qui exode derrière les armes cassées. Ils ont l'image où il y a Jean-Marie Kasamba qui a plaidé. C'est qu'on ne voit pas avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi fait beaucoup. Il y a un ami qui a été fait. Ce qui est tout le temps, le bilan de Félix Tshisekedi, la propagande de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne fait pas de publicité ni de propagande. Les gens déplorent les déficits communicationnels sur l'action au président de la République qui a été fait. Mais si Félix Tshisekedi avait vraiment les soucis à cause de la propagande, ou bien action boni ou yon a minute tout le monde à la TV, ce qui peut le dramatiser, ou bien le lingue ni tout le monde à la TV, c'est pour dire que Félix Tshisekedi n'est pas de nature à mener des actions populistes. Il est venu au pouvoir à Zaki populaire. Félix Tshisekedi n'a pas à chercher la popularité derrière des actions, mais à Zali composé un acte moko symbolique, un acte moko à caractère et à impact visible et durable. Nakati a mitu à battre. Moutsoka a besoin que popularité à Salaboué. Mais pas pour ça, la biseau n'est pas d'accord. Ça biseau bat théâtre. Bilo que coco mata poué kita. Bilo que coco kita poué mata après deux mois, trois mois. Bofingier les sous. Mais ce que pose Félix Tshisekedi comme acte, ils allaient na président mon côté na mboka oya a kogisi ango. Et puis tout ça, contexte n'est ni Félix Tshisekedi a commis président. Na etani ni a coûté l'imboko. Il a aujourd'hui la mission y a qu'on relève pays na biso ko bimisango na libulu ko tia ba fondation y a démocratie y a état de droit oyo ba président nyonso ba leka na mboko ba rata ko sala yango le président Kasavubu n'a pas eu assez de temps, il n'a pas terminé ba mandat na nyonso ndenge ko kisamelaki Mobutu aye, il a fait sa dictature pendant 32 ans. Dans la logique, il y a que l'État est commis réduit à la personne de M. Mobutu. Mouze aye, nous avons vu un banditisme, une démocratie, na manière où yemoko mouza lingaka memango, na ndenga memis bison aventure yaba 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 ba 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 Rwanda ou le loto komi soki ndenge nini na babiloko na bango ba kor na bango. Joseph Kabila aye, ça c'est un pur banditisme d'État que nous avons vécu, des institutions de pillage. Ben institutions que je sais que vous l'avez vu, Bakati, qui est Félix Tshisekedi a hérité n'ango. Mais ça, institution, il y a pillage, moi quoi institutionnalisé. Vous avez moins reconnaissance, Félix Tshisekedi a coûté tant, coûté pouvoir, coûté tout. Tout, ils ont déjà assis, mon amour, par rapport à Kegokota, mon amour, Joseph Kabila, a coûté à l'administration KO, qui est un mot, ils ont été, mais par rapport à Joseph Kabila, a coûté mon amour. Nakanti, mon tout, Nawane, Yaga Mingi. Mutunane yaka mingi soka kutake loko tena kesi ya leta et que loko ya kutake zaki presque rien et qui a sali 18 ans na 18 ans wana ye a komi milliardaire nazoki nokaka na ba réponse moko terre à terre parce que nous au Congo to lingite to mama ka musika nazoki nekaka très simple Joseph Kabila est plus riche que l'état congolais et c'est normal bilan wana yo zo pesa nga soki za ya solo ya Kabila. Joseph Kabila tiki Congo na budget à combien? Lui-même Joseph Kabila a combien de biens? Ce tout plutôt comptabiliser ka ba bien à Kabila na Congo et puis à travers le monde. Il est riche plus que l'État congolais. Enrichir batu plus que l'État congolais. Alors peut-on parler que non Joseph Kabila kuta kimboka na état nini? Non. Ce que nous reconnaissons c'est que vu pression à joie qui na opposition notamment Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, il nous a amené dans la voie des élections. Ces élections, pour la plupart, tout ça là qui a eu des formalités, parce que chaque fois, il n'était pas voté, il a été obligé à s'imposer. Nous avons reçu aujourd'hui des institutions qui ont servi de pillage. Ben, institutions qui ont servi au peuple congolais et servir dans plus d'intérêts à l'individu. Et ce sont ces individus-là qui se sont enrichis au détriment du peuple congolais. Ben, individus, on a les lots, tout le monde a commis de plus en plus riches, zui. Rôle au l'État, il y a l'État, puissance il y a l'État, et comme il réduit dans l'individu. Vous allez me dire que
Joseph Kabila, il est pour que non, même s'il il aurait eu des bonnes intentions, mais na kaniti que mission aye, ezaki a corrompu biso pe ko humilier biso na monde. Nazaka na soni na lobaga ke pona moto ayebi ko betela mwana na yo lisolo ke tozaki dirigé na Kabila, ezalaka sujet moko ya humiliation. C'est-à-dire dans notre histoire, ba historien bazo koma, il faut ba koma pe page loko la page moko ya humiliation. Oh Joseph Kabila dirigé biso. Atiki mabulu kongo mobimo. Atiki ba nyongo. Donc tous les biens de l'État sont à 98% privatisés. Ce qui est aïe moutazuite a créé batou viaye batouana basali ko géré ango. Vous allez me dire que Joseph Kabila atiki le biso ba institution, Félix Tshisekedi akuti mboka moko eza bien. Non, c'était la poudre à nos yeux. Nous dire qu'il y a des institutions, allez-y comprendre comment les lois de la République fonctionnent pour que tu hérites dans Kabila. Ils ont ça là que ba institution ya mboka ezwa ka ba budget nyon son bon nyon son mboka, ils ont lié ça ndé ba tobasan ba institution. Ça c'est le plan Kabila. C'est ça la vision qu'il nous a laissé. Et vous allez parler des institutions comme ça. Ndé okoyebisa biso que non atiki ba institution est stable. Quelle administration il a laissé? Salaire bon ya tikeli fonctionnaire. Tant wa yaki akotaki combien tikeli bango combien? Fonctionnaire pendant 18 ans s'est retrouvé militaire à un salaire mine. Kabila tant wa ya salaire militaire mine, à salaire policier mine. Classe ya bana na biso. Wapi université en 18 ans oye tonga magi na Kabila. Wapi hôpital oye tonga mi ya na Kabila pendant 18 ans. Je vous dis que s'il faut aller dans ce sens là na kozwa tant omulaye na linga koloba ngote parce que ça fait très mal. Merci. Si les Congolais pensent à Kabila, c'est avec amertume. Bato bazali koloba ke China Rambo bazali koloba non, au Congolais au Congo, à cause de la faim, nous avons aujourd'hui une catégorie de citoyens qui ne vivent que de la flatterie. Alors biso toza forgeté, nous avons pas été éduqués na ko flataka bato pour na ko vivre. Non. Mieux vaut mourir que de vivre à genoux. Merci beaucoup, vaut mieux mourir que de vivre à Genève. Tout ce que tu as dit, c'est que tu as dit, message à chef de l'État, au Baïmouka. Moi, je suis vraiment à comprendre le message de chef de l'État. Je vais me passer, je vais me dire, chef de l'État, a ce que ça message sur base de quoi, na limboli malamu te mutuna na yo meta chef de l'état ki lobi ba yimboka e be ba ki vraiment ba comprendre ki meta chef de l'état te yo zali mieux placé ya ko expliquer ba yimboka message ya lobi te ki pona mutindo nini bon yimboka lobi ka pona basi ba bota e ofele donc c'est pas parler na ngwa ngwa na yo ya ni boso ezali que na cadre ya célébration ya 62e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso. Le président de la République a s'adressé à la nation, comme à l'accoutumée. C'est une habitude. Ils ont déjà bongo bindenge salimaka. Et c'est à cette occasion-là qu'il a s'exprimé qui n'a pas question majeure où ils ont touché vie à nation na biso, conduite ya pays na biso. Il a brossé un tableau ya santé politique, économique, sécuritaire ya mboka na biso. C'est de cela qu'il a parlé à la diplomatie. Il a appelé la fibre optique et biso nyonso photo attaché tout peu importance monnaie na défense et intégrité territoriale na biso. Na lo baka toujours faire des scènes en mutema mais je me suis bien retrouvé dans les discours du président de la République parce que mes mots ont été interprétés d'une certaine manière par les chefs de l'État. D'autant que lo baki na ba propos na j'ai senti qu'il invite tout Congolais à être un militaire pour son pays parce que ceux qui biso nyonso toujours fait ça intérêt na défense il y a intégrité territoriale na biso na tanti congolais nyon sa ko raisonner comme un militaire et c'est de cette façon là que nous ferons face à l'injustice nationale internationale et ces complots là qui ne veut pas que biso ba congolais tout s'organiser qui ne veut pas que les frontières du Congo soient respectées. Deuxièmement, il a abordé ba question où est-ce qu'on divise biso ba congolais na interprétation pour moni na za ko loba mingi congolais mais ça na ne na molili soko kangi mutu kitendi na misu pendant 18 ans ya mwindu au bombier moko loko fongola ye kiteni wana na miso il sera aveugle pendant un long temps. Il faut prendre soin na ye pour miso na ye et mesana na lumière même so bozo l'accès lumière yango akoko mona ngote parce que ses yeux étaient habitués na ténèbres et c'est de cette manière là Kabila nous a géré dans le mensonge, dans la manipulation pendant 18 ans. Aujourd'hui nous avons le chef, un chef de l'État qui aborde les vraies questions. Ou azali ko toucher point à point, azali ko pesa biso orientation, pe azali ko loba nini azali ko sala par rapport à point 1. Il a parlé de
problème au bateau basa côté les meilleures forces régionales. Il a dit qu'il a bien exigé que les Rwandais ne fassent pas partie de cette force là. Il a parlé Magambuyaba état de siège, parce que je brosse un tableau de manière rapide. État de siège au Babundi, ça qui n'a pas failli, Lukatumbi, les gens de Kabila, tous ces gens là, n'a pas société civile, n'a pas moi le Kouta, le mouvement citoyen. Qui état de siège et yoko bomaba congolais, état de siège et été pour la couper sa baïmbo kakimia. Mais aujourd'hui, il ne parle plus de l'état de siège. L'état de siège a révélé les vrais ennemis de notre nation. Grâce à l'état de siège, tu comprendre qui sont ces gens-là, où il y a des marchands autour, il y a une insécurité, ils sont dans l'Est et à Congo. À moins que vous soyez congolais, vous soyez sage pour comprendre que l'état de siège n'a pas porté ses fruits. Naïn a identifié comme le président de la République qui sont ces gens-là au Yobazali qui ont bénéficié de l'insécurité à l'Est à travers l'état de siège. Aujourd'hui, Bakangi Minokonaba. Il y a des gens même tout qui basent même la politique, mais qui sont pour quelque chose dans la sécurité du pays. Les lots, grâce à l'état de siège, notre pays, dans différents endroits, ils ont répondre, ils ont besoin de sécurité, le gouvernement a répondre. Et il a parlé, le président de la République lui-même, à l'obéli en haut, état de siège, il faut qu'on réévalue en haut, ma camion soya à Singeli Koloba. Ma camba force régionale, comment les pays voisins ne doivent pas considérer notre souci, il y a bon voisinage, le coup de la faiblesse. Nous sommes le pays le plus mal aimé du monde à cause de nos richesses. On a vu ce que Singeli tout le temps, on a vu ce que ce qui est en haut, Congo. Mukil mobim babalin ko respecter biso te baza ko bundana biso, c'est parce que ba richesse na biso ezali zo apona bango balingi ke biso to s'organiser te pour bango ba continuer à copier na ba diverses moyens na ba façon nyonso bango balingi ko salela. Le président de la République a lobeli pe le kambo ya ba futur ya makambo aza ba décision aza na kati ya kozwa. Outre la gratuité de l'enseignement, la santé universitaire ba za ko lobela. Boko mona ka ba ba ko combattre ango. Wa ba hôpitaux wat banin kala mingi tete ko sala no débat ko mona bandu ki a nation balinga kalikanisa malamu te ba termina ki gratuité de l'enseignement mais le lo ko mona bango bazo termina li sous li kamwa santé wana parce que bana ba se belé bazo bota na ba condition ezali malamu te ezo se na prise en charge à l'état ba mususu ba soin wana ba moyen zo zalaté bazo ki de ko accoucher na ba condition moko eza mabé eza ko permettre santé maternelle te ya bana et puis bana miki bazo kufaka mingi parce que bazo bota mapena ba condition ya bien te na ba prise en charge ya malonga ezate. L'état veut s'assurer que ba fille wana bana nyonso ba mama na biso bazali ko bota ba bota na ba condition ya bien ba bota na ba condition moko ezate bien encadré par oui gratuitement et ceux qui pendant période nyonso ya grossesse et qu'en des progressivement na ba province voilà période nyonso ya grossesse et à la prise en charge par l'État, ça dit tant que dans ça la évaluation aille, qu'on s'examine wana, et à la nango le sous-souté que ils ont signé un bon et belé, donc ils ont signé un bisoua wa na ba aventurier et belé. Merci. Na kanti ke ba défi pesa relevé na kati kuna parce que l'État sera obligé de construire plusieurs centres de santé pour na recouvrir ba tout nombre d'habitants par ba kilomètre de manière kaka ndenge présent le bail qui est progressif. Tant que nous avons moyen, il faut secourir nan ou bazan en plus besoin d'aide. Ndeko banda ko kende pe les sources progressivement tito ko koma na Eldorado obisonyo sotozan na ngobezo. Merci beaucoup mon bon sénateur babonné ya ba chaîne abiso ba comprendre que et ministre chef de l'État ninga si coupé cela na nation. Tant o apengule kamotali la République du Katsi Congo Zali le pays le plus aimé. Mal aimé. Tous ceux qui ont accepté la décision du Conseil de sécurité, ou à Boyu Kolongola, embargo, na katia RDC. C'est-à-dire que RDC a dit pays, ou au bazo qui dérangeait plus de 22 ans. RDC a toujours habitué, na katia est République, ya est République du Congo, mais Boyu Kolongola est embargo, ou soit Mandou quitté, RDC, je sais pas, revivre en dernier moment, beaucoup. C'est-à-dire que pays, ça fait 22 ans, a toujours menacé, na bayi groupe rebelle, ou de bengan terroriste. Moi, j'appelle le peuple congolais, comme l'a lancé le président de la République, à la vigilance et puis à la mobilisation générale. Nous comprenons que pendant plusieurs années, tout le monde, depuis que nous avons l'indépendance en tant que pays, nous sommes victimes d'un complot international et d'injustice de la part de la communauté internationale. Et nous sommes et ça lui permet de respecter la souveraineté nationale
tant au Conseil de sécurité bazali ko ndimaké ba repousser poursuivre pour un an likambo ya embargo toza nango sur les armes. Cette forme d'embargo là nous met sous tutelle des Nations Unies que biso poto somba mandoki et sengeli to lekela kaka na nzela ya Nations Unies tant to yebi que crédit ezalité na structure wana to na organisation wana mondiale. Nations Unies a tié biso sous tutelle la biso non a peki si biso ko somba mandoki te mapesi biso ba sanction que biso avant to somba mandoki il faut Nations Unies certifier ala ata la qualité mandoki ni to somba so akoki pe ko boya biso te mandoki o yango te to ndimi yango te mais ba kei ko vanda le sous pour une énième fois ndenge ba vandi biso to kanchai que cette fois-ci ba koyoka kolela ya ba congolais nous sommes attaqués de tous bords par des mouvements rebelles. Mais pour moi, la communauté internationale a bénéficié de l'instabilité à l'est et à Congo. Les Nations Unies sont criminelles. Bakéi le souba vandi, même pays aux États-Unis a comme partenaire privilégié, il y a République démocratique du Congo. Mais a voté contre lever l'embargo sur les armes dans la République démocratique du Congo. Parce que cet embargo, interprétant de diverses façons. Batwalobio embargo et c'est longa toko kosoma minduki. Oui, toko ki kosoma minduki, mais minduki na biso tozo somba, il faut to les demandes na biso et les kelaka et transita kana Nations Unies. Yende mutazo certifié ango. Ce qui Nations Unies pas boi toko zoa, toko somba mandoki te. Et donc, mandoki na biso tozo somba, Nations Unies azo talisango banguna. Bayebi porté nango bayebi koyeba ke RDC a sombi autant de chars, RDC a sombi autant d'avions, ba capacité a mandoki na biso les Nations Unies azali ko trahir. Donc on comprend ici pourquoi na loba ke tozali victime ya complot international na injustice moko elingo loba makambu nango te. Mais même les États-Unis, les seuls pays où ba soutenir biso eza ba Ghana, tumoni Kenya, tumoni Chine na Russie ba ndimi ko ya côté na biso. Franchement Oyo et commis dommage, vraiment j'étais ému de tristesse place na vanda ki na lobby injustice ya modèle oyo na ébité pour nanine. Donc nous devons acheter les armes, mais pour acheter les armes, nous devons passer par les Nations Unies. Ça vraiment ezali eloko biso to koy ko tolérer li sous té en tant que congolais, j'étais révolté, très même révolté. Ezali eloko ezo senga biso que biso ba congolais to lamuka. Ba Congolo boza li banda ya mboka. C'est maintenant le temps de faire entendre les cris. Ya nation congolaise na mokili mobimba. Bisika wapi bino bovandi, bato yo bazali na Genève, bato yo bazali kuna na États-Unis. Bisika nyonso bozali, il faut que les Congolais du monde entier se mobilisent autour ya ba institution ya Nations Unies. Ces Nations Unies ne sont pas faites pour nous. On parle d'un génocide, tout ce qui a été monté en toutes pièces pour faire accéder Kagame au pouvoir. Et la communauté internationale a paré la logique. La communauté internationale a dit Makolie Sabatunion sur le Kouan. Les Nations Unies, les États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, va faire croire dans le monde entier qu'il y a eu génocide, il y a tout. Mais aujourd'hui, hécatombe, génocide mounene à peuple congolais à l'Est. Ils allaient qu'on rappeler nango, ils allaient qu'on interpeller moutou mon côté a zali na souci à kolobe la kango. Vraiment, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons plus tolérer en tant que peuple et comme ko pesa biso kanda izo senga ki tout réagir. Yango ndenge président de la République alobaki wana vigilance parce que les mots du président de la République sont mesurés parce qu'azali mon le président de la République, il ne peut pas aller plus loin. Mais moi, je ne peux pas me réserver. J'ai dit qu'étant présent à l'objet, moi, à vigilance, j'étais debout. Parce que quand on dit, vous dites d'être vigilant, et là, qui c'est que ma baie, danger, Zali. Le président de la République nous interpelle. Le mot vigilance, pour moi, a sonné plusieurs fois dans ma tête. Pour l'année, nous présent à l'objet, qui est singé, tous à la vigilance. Voilà maintenant les conséquences. Ces pays-là ne veulent pas qu'ils soient tous à l'armée, qu'ils soient tous à la sécurité. Ils ne veulent pas qu'on s'organise militairement. Nous avons des militaires bien formés, mais ils ne veulent pas que nous soyons occupés. Balingité qui est aussi le problème d'insécurité. Lèvons-nous parce que l'injustice n'a pas moins. Il faut éteindre les misabisonions sur mon kilimobimba.
Donc, je n'ai pas le temps de beaucoup analyser parce que nous sommes sur Congolais, tu es pourquoi n'amener tout aux alliés qu'on souffrir. Pendant que ça chauffe à l'est du Congo, on veut que les armes passent par les Nations Unies qui sont impliquées dans les massacres de nos frères à l'est. Au Bazana Bango na business na Bango, même les Nations Unies participent. Et moment ni ni Bazali qu'on soit décision aux Nations Unies à soi qui rapport. Awa, chef ya MONUSCO, ce qui bien tout keita, mama wana apesa qui rapport à lobby que M23 Bazali na ba outils sophistiqués. Armement na Bango ezali lourd. Même MONUSCO a zan angote, FARDC pas zan angote. Baza ko armé M23, mais Nations Unies a zo boya ko lungula embargo, ya RDC, tout son baka mando ki panaye. Ça c'est grave. On ne respecte pas, on ne respecte pas notre souveraineté. Lèvons-nous, peuple congolais. Yom dozo la ndaka message, et zan angoli kamba ou nga la ndaka politique, te nan za touche te. Non. Ça c'est décevant, enfin, ils a très décevant. Merci beaucoup mon amboka aussi pour limbo ba imboka message mon corps ya kulamuka kesoy mbulana politique te politique et kulanda toujours mon amboka toujours avoir mon kid c'est d'aller Bunaganda ou pour ba imboka ba te qu'est-ce qui va pas maintenant na kata Bunaganda mena Bunaganda za niveau ni na retour pour mon amboka. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que ba ennemi a genre de bandade malgré tout mandou que malonga zati mandou que za malonga te mes phares de ce na biso za féliciter. Parce que ce que je veux dire, c'est parce que je suis informé que je suis informé. Mais notre armée est armée au Bazanango. Et moi, je dis que si les Nations Unies, c'est pas les Nabango, et que Bango continue à complot dans Bango, le Congo va les surprendre. Je dis que si les Nations Unies à cause pour changer de stratégie, pour l'organisation, on va réformer Ango et Kouta dans le Congo. C'est ici au Congo que le premier secrétaire général des Nations Unies est décédé. A Koufela Awa na avion nae. Ce qui bango aux Nations Unies bazo comprendre te que mboka oyo ezala. Il faut faire la très attention. Si eux ne sont pas de notre côté, Dieu est de notre côté. Likambo ya Bunaganda likambo ba Sudan biso bazo bunda. Tozo mona ndenge ba militaire bazo ko ba ko baksama effectif à militaire ezo baksama se ko baksama na Congo. Lobby le 30 juin ba Betaki bango penda ba betaki ba M23 tout moni biso moko na bilili ke ils ont subi des pertes lourdes. Retrait oyo ils a faire de ça bandai ko ça la repli stratégique bango ba mona ka ngolo la faiblesse ba ko sana ki ba ya ba ko tati na profondeur et là l'armée les a encerclés baza capturé et belé ba ko fipé et belé selon les informations que nous avons reçues. Le ko la Kagame se pe na ye ko bomisa ka bana ya batu ya ba Rwandais. Naba rwandaise, je pense que c'est nos frères rwandais qui sont très lâches. Les Rwandais ne peuvent dire rien aux Congolais parce qu'ils sont incapables d'arrêter la folie du pantin Kagame. Si les Rwandais étaient vraiment des citoyens qui peuvent se battre pour leurs droits, Kagame ne peut pas continuer dans sa barbarie. Kagame est aussi là parce que les Rwandais sont lâches. Si les Rwandais n'étaient pas lâches, les Hutus ne sont en colère. Ils ne sont pas en colère. Nakati ya bazamba congolaise. Au nom de la politique d'un individu qui pense qu'il doit construire l'économie du Rwanda sur le sang des Congolais, c'est aussi votre lâcheté. Donc, on a quand même Bunagana, qui déjà sango, n'engagez en akatia kotambo, sans oyo bango bayo ki lokito. Parce que quand Dieu est de nos côtés, même sans on dit ça, c'est moko ekole la loi bombe, bato bazo monango loi maseki, mais les Kambo ya Congo, ils appellent les Kambo moko très sacré. Spirituellement, les problèmes du Congo, les dieux du Congo est déjà très fâché. Nos militaires bazaka ko bunda pa mbate mais bazo bunda pe avec une décision qui vient d'en haut. Lokito bango ba koyoka kuna même les États-Unis a kotuna armement bazu wapi pour makambo ko leka na front. O écoute zo sale meza moke. Parce que plusieurs nations se demandent comment nos FARDC se défendre. Bazo bunda ndenge nini. Moi je pense que l'armée na biso zo bazo bato bazo minimiser ngo ba yebite porter armée na biso. Bozo bunda na armement bato bazo mona keza moke. Mais bozo kangabatu ba militaire rwandais bazo kangama na sol congolais avec des casques anti-balles bazali na ba gilet par balles bazali na banine bazo lata na ba genou mais bazo ko ya na filet ya FARDC ba nyati bango mbuma ya kosakana te na kanti 30 juin penda bibembende matange bakisamili sou na Rwanda and the old colonel qui a été décédé la fois passée bazo continue ko kufa bazé belé. C'est pourquoi nous lançons un communiqué. Nous avons lancé un message.
na bande ko na biso baza ko mbenga o de tout congolais à 100%. Non, soyez solidaires avec vos frères du Rwanda. Bo benga na bo bozaka na ba numéro bande ko na mino bazana ba Rwanda. Appelez-les, dites-les que batomboka pe kuna. Soki kagame ko boma bango ko nyata bango na ba char de combat nyata bango. Parce que nous savons que désormais Kagame fera face aussi à une menace interne contre les politiques naïves. Parce que vu que bana bazo kufa, ya ko bana ko tinda ka ba ko bana ko kufa. Mais moto e ko bimana far de cette fois-ci. Même force régionale ba ko bazo lo baba yebi peut-être Félix Tshisekedi te. Cette force régionale risque de ne pas exister ba ya ko sala musala na Congo. Et que Moussala n'est pas le magasin de Congolais. Merci beaucoup, mon ami. Je suis un message à 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 mon ami. Je vote électronique. Mon ami. Je suis un message à mon ami. Avant d'aborder la question, nous n'avons plus d'abord besoin. Nous n'avons plus le temps de perdre dans la distraction avec des étrangers qui sont en connivence avec Kagame. Moi, je pense que. Ce qui Moïse Katumbi, Naba Kamitato et les autres qui donnent plus d'importance aux élections qu'à l'intégrité territoriale de notre pays, Bazali Kosakananabiso, c'est parce que toujours la bango. Nous, je pense que tant que toujours Kolobilali Kambouya, protection et intégrité territoriale, Nabiso va faire des Sebabunda. Toujours le Pé Likambou, également il y a identification nationale, na recensement général. C'est-à-dire, bango baye ba place Bazali. Que cette fois-ci, nous ne laisserons pas faire Congolais. Ils ont facilité. C'est que, oh, bah, moi, bah, bah, quoi, marchander dans mon tour, c'est les élections. Parce qu'ils savent que dans les élections, même les Rwandais au Congo sont votés. Ils sont nommés dans les institutions de la RDC. Donc, Katumbi, qui est un juif zambien, italien, grec, côté Sokabatata, donc toutes ces nationalités-là sont en lui, veut nous dire que Bissot. Il faut se soumettre à un caprice, à une élection. Quand il a des problèmes, il va recourir auprès de sa communauté et pas des juifs. Au bazar en Europe, dès qu'on a un problème, il a un problème. Quand il s'agit de se moquer, c'est au Congolais qu'il vient se moquer. Non. Il faut être quand même sérieux. Si le Congolais est à niveau autocomi, tout ça, il a droit à cause de la distraite. Si lui ne veut pas des élections, dans le sens où il a proposé par la majorité et qu'il pense que Yende Moutako imposé Bissot. Et ça, tant à yé, Fayoulou a boué à qui l'élection en 2018. Tout qui est dans la machine à voter, na souka, yé Moutazo qui est voté dans la machine à voter pour devenir vainqueur des élections. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Moïse Katumbi commence encore avec cette même aventure pour nous dire que Bango Baza prête à aucune de l'élection. Et sa distraction, et il faut revoir ses votes électroniques. Bango balingi angote. Ah, bango mutu bakela vote électronique. Moi, je pense que même par vote électronique, biso tu kende élection. Merci beaucoup, Mboka. Soutenez monsieur la biso, monsieur Chene, vous lancez beaucoup votre partenariat. Message, on a lancé la baimbo que zali que biso nyonso, le boko na motema, biso nyonso, fardese na motema. C'est-à-dire que dans la quantité congolais, nous sommes en train de nous aller tout le monde, inverser la courbe où il y a des antivaleurs. Il faut que nous sommes unis dans l'amour pour notre parti, patrie, et puis avoir le cœur d'un militaire. Ce que nous sommes en train de nous aller à Bassouda, chaque fois que la patrie nécessite, oblige à nous d'être mobilisés, il faut tous la mobiliser. Vraiment, tous la derrière, président de la République politique, c'est que dit Tshilombo. Et puis, tout soutenir toujours la FARDC na biso. Pour ceux qui veulent donner un coup de pouce na Oyo Ezali campagne Toulobaka Debout Congolais, appelez le numéro plus 243 82 349 65 26. Merci beaucoup, Mme Mboka Sambolonga. Merci.